Ouais, excusez-moi, je suis obligé de faire cette vidéo-là parce que j'ai reçu des trucs. Franchement, je pouvais pas rester bouche bée. Donc, je vais commencer par m'adresser par ce monsieur-là, comment il s'appelle? Monsieur Richie Watanabe, qui dit. Qui se permet de dire qu'il va me poursuivre judiciairement parlant et qui dit ensuite que tout ça était intentionnel et que j'avais une mission quelconque, et ben non, et ben non. D'une, l'application, je l'ai découvert à Kin. Moi, si je l'ai téléchargée sur mon portable, c'est une application qui enregistre automatiquement. Si je l'ai téléchargée, c'était compte tenu de mes antécédents judiciaires. J'étais obligé, enfin, j'avais trouvé que c'était intéressant d'avoir cette application pour simplement préparer ma défense, enfin, pour récolter certaines preuves qui prouvaient mon innocence dans certaines affaires dont j'étais impliqué. Maintenant, pourquoi j'avais gardé des enregistrements ou quoi que ce soit? Déjà, d'une, j'ai rien gardé, c'est simplement le truc qui. Il enregistre automatiquement, dès qu'on t'appelle, il enregistre. Et c'est tout simplement ça en fait. Et moi, je trouvais ça marrant à chaque fois quand je discutais avec la personne de Karine. Elle taillait des gens. Mais derrière ça, je voyais qu'elle était sympa avec ces gens. Donc moi, je trouvais ça marrant à la base. Il n'y avait rien de méchant. Moi, je trouvais ça marrant. Mais d'une part, je trouvais ça assez faux cul. Comment cette personne, je la vois sympa, rigoler avec des gens, mais elle vient chez moi et taille des gens. Bon, bref, c'était même pas dans l'intention de nuire qui que ce soit. Et par la suite, il s'est passé ce qui s'est passé. Au départ, quand l'affaire a commencé, moi j'ai voulu régler ça d'une manière très sage. Mais bon, vu que essayer de régler les affaires avec quelqu'un qui réfléchit pas, c'est un peu compliqué. Donc ce qui fait que moi j'ai fait un retrait. J'ai commencé à tout simplement constater. Donc. Et j'ai constaté, et ben jusque-là je fais que constater, tout simplement. Maintenant, Monsieur Félix Oisé, quoi, moi qui croyais que qu'il était aussi sage que ça, j'ai trouvé ses propos assez terre à terre. J'ai beaucoup du respect pour lui, il n'y a rien de mal. Maintenant, ils ont dit clairement qu'ils allaient me poursuivre à la justice, bah ben, j'attends que ça. Parce que si Félix Oisé, quoi, et Richie Watanabe me poursuivent pas en justice, c'est moi qui va le faire. C'est moi qui va le faire. Donc, qu'ils puissent le faire en France ou à Kin, c'est pareil. Moi, dans tous les cas, s'ils n'arrivent pas à le faire ici en France, moi, je vais venir à Kin, c'est moi qui va leur poursuivre. Pourquoi? Point d'interrogation. On va discuter de ça au tribunal. Donc, arrêtez d'essayer de maquiller les choses ou d'essayer de me coller une image qui n'est pas du tout. Mon image, et donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous n'êtes pas des dieux, ce monde vous appartient pas, et donc arrêtez en fait, arrêtez votre sketch là. 2 secondes, arrêtez. Arrêtez. Parce que je pense même que les personnes qui sortent tous ces audios là, je pense même qu'ils n'ont pas sorti le pire. Parce que moi, si je voulais le faire, je vous jure que j'aurais sorti les voix les plus intéressantes. Si je voulais le faire, vous voyez. Et soyez vraiment intelligent et arrêtez de faire semblant. Ça sert à rien. Et puis dans tous les cas, je vois pas. En fait, c'est inintéressant en fait ce que vous essayez de faire en fait. C'est vraiment inintéressant. C'est inintéressant. Donc voilà, au lieu d'essayer de faire ce sketch-là, essayez plutôt de parler à votre. Elle est censée être votre soeur, votre fille, tout ce que vous voulez, essayez plutôt de la recadrer, et puis le tour sera joué. Mais si vous voulez vous la jouer comme ça, je vous dis clairement, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur que ça soit Richie Watanabe ou Félix Oisé, quoi, j'ai rien contre vous directement. Mais bon, vous vous permettez de dire, garçon Anato, la Néléna, la justice, vous avez rêvé, hein. Vous faites ça, en fait, à qui, en fait? Vous parlez à qui en fait? À des gens sans cervelle ou c'est quoi en fait le délire? C'est quoi le délire en fait? Vous pensez que vous allez venir comme ça et allez hop, on porte plainte. Ah ouais? Ça se passe comme ça? Eh ben venez,
venez et faites-le vraiment le plus vite que vous pouvez. Et on va s'expliquer. Et bien même, je dis bien que ça soit à Kin ou ici en France, on va s'expliquer. Moi, je veux que vous puissiez vraiment booker un moment petit, tu vois ou pas? Tu vois? Et puis, je vois les gens, ils s'amusent à balancer des photos comme ça, à gauche, à droite, sur ma personne et sur... sert à rien d'inventer des fausses informations sur moi. Je vais m'envoyer une photo où j'étais en train, où quand j'étais boulanger. Bah ouais, moi frère, je suis un bonhomme. Moi, j'ai chat. Libossé Zaki Mouyi Biscuit et commis boulanger. Mais vous êtes débiles. Arrêtez. Arrêtez. Moi, j'ai une cervelle et ça fonctionne, tu vois. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Et puis arrêtez de mélanger la famille à ça parce que on s'attaque pas à toutes les familles. Et pour l'instant, encore, les familles, elles n'ont pas parlé, hein. S'il faut que ça parle, ça va parler. Donc, M. Oazé, quoi, qui est très intelligent et très sage, je pense que peut-être que vous avez pas les bonnes informations et peut-être que vous êtes en train de vous faire manipuler sans que vous puissiez le savoir. C'est facile à faire, hein. C'est facile à vite fait coller une synthèse de mensonge. C'est vite fait, hein. Maintenant, on dit... je pense que si vous êtes sage comme vous le prétendez, vous irez pas sur ce plan là. Franchement, je vous le déconseillerais. Mais si vous voulez, on y va. Moi, j'attends. Parce que si vous le faites pas, franchement, moi, je vais le faire en tout cas. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire et ça va être vite fait. Si Félix Oazé quoi me poursuit pas en justice pour je ne sais quoi ou héritier Watanabe, et ben moi je vais le faire. Et moi je vais le faire. Je suis et mais soyez vraiment prêts et soyez vraiment et vraiment les éléments qu'il faut, hein, pour me poursuivre en justice. Parce que moi j'en ai pour vous poursuivre vous. Si vous voulez qu'on puisse la faire comme ça, arrêtez de taper au système. Arrêtez de taper au système parce que là ça va virer. Ça va virer et vous n'êtes pas prêt. Moi, je m'en fous des audios à 2 balles ou quoi. Et vous pensez qu'il n'y a personne qui paye mon loyer. Vous n'allez pas m'intimider. En rien et pour rien. Si tu as une cervelle, j'ai une cervelle. Si tu sais écrire, je sais écrire. Si tu sais faire de la musique, je sais le faire. Si tu es issu de je sais pas quoi et il n'y a personne qui va essayer de... Non. Arrêtez de me coller une étiquette du loup blanc, du méchant type. Non, je suis pas comme ça. Je vais pas rester là, pas croisé, à écouter des « et ». Mais vous êtes... arrêtez de prendre des... Et les gens, ils sont pas débiles, en fait. Vous venez là, vous voulez mettre du vernis sur... Et arrêtez. J'espère que le message est bien capté. Donc, si vous avez des couilles... comme des bonhommes, faites ce que vous dites. D'ailleurs, celui qui prépare ou qui compte faire quelque chose, ne l'annonce pas. Vous avez annoncé, et bah portez vos couilles. Faites-le. Parce que si vous le faites pas, moi je vais le faire. Je finis de gérer ce que j'ai à gérer. J'écope ma peine. On m'arrache mon bracelet. L'année va pas terminer. Je veux venir à Kin. Vous voyez? Donc en France, c'est encore mieux. Parce que Moni. Vous pouvez pas venir comme ça, vous menacez ma famille, moi je vais la fermer à cause des histoires à 2 balles et je suis pas là-dedans et j'ai pas assez d'explications à donner à qui que ce soit. Vous, Botinera, un message, vous m'appelez, patati patata. Moi, je connais Dieu, on n'a qu'un seul. Bisous tout toi, Batou. Voyez-vous? Et donc, non. Stop! Arrêtez. Là, je suis hyper zaref. Et vous voulez faire genre. Et là, quoi? Ça fait quoi maintenant, là? Ça essaie de charrier en mode, ça se moque. Oh non, en fait, boulanger. Et bah ouais. Moi, je suis un bosseur. Je fais ce que je peux pour m'en sortir. Hormis ça, je suis un artiste, je suis un passionné de l'art. Mon truc à moi, c'est la musique. J'essaye de nuire personne. C'est pas le but, c'est pas mon but.
voulais mêler mon blaze dans des bails qui. Hey. Retenez bien votre chienne en laisse. Et puis venez me voir pour discuter. Parce que là, je suis monté. Bokangamwa Nabino. Bokangamwa Nabino. Héritier, ça sert à rien de faire comme ça. Déjà, je suis dégoûté de toi. Parce que soi-disant, hey, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Comment les gens peuvent être faux cul comme ça? Et puis ça va faire des grandes phrases. Arrêtez, arrêtez, arrêtez avec vos grandes phrases. Hey, on a tous du vocabulaire. Peut-être que vous n'avez même pas la moindre idée de mon champ lexical. Vous n'avez même pas la moindre idée. Arrêtez de me crier patati patata. Frère, on a tous du vocabulaire. Et attention. Et pire que ça, j'ai de la répartie aussi. Je sais reconnaître quand j'ai tort, je sais reconnaître quand j'ai raison. Et jusque-là, j'ai pas tort. Hein, you know what I'm saying? T'as la boutique à Gégo, boutique à théâtre, Wana. Boutique à théâtre. Mais arrêtez votre comédie. Vous voulez que ça puisse aller. Tokenango bon, on va aller comme ça. Tokenango vraiment bon. Tokenango vraiment bon. Et après que moi je vais rester là. Ça... Kano, vous pensez à vous, vous évitez.